Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été hospitalisé. Cela fait maintenant un bon bout de temps qu'il est absent de la scène politique et il a été remplacé, provisoirement, par le colonel Abdoulaye Maïga, nouveau Premier ministre par intérim. Il est clair que le gouvernement ne nous dit pas tout car l'affaire est classée secrète, mais dans cette vidéo, nous allons voir avec précision ce qui est véritablement arrivé à Choguel Maïga. Pour commencer, qui est Choguel Kokala Maïga ? Né en 1958 à Gao, il est un homme politique malien. Proche de Moussa Traoré, il tente l'élection présidentielle en 2002, mais aussi en 2013 et en 2018. Étant un vétéran de la politique malienne, il a été choisi pour être chef du gouvernement de la transition en mai 2021. Pour revenir au sujet, Choguel Maïga a été hospitalisé le 10 août à Bamako, 8 jours après qu'il ait fait un malaise, selon un responsable hospitalier. La primature a confirmé sur sa page Facebook les mots suivants. Après 14 mois de travail sans répit, le Premier ministre, chef du gouvernement, Choguel Kokala Maïga, a été mis en repos forcé par son médecin. Il reprendra ses activités la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais hélas, une semaine après, son absence reste toujours d'actualité. Alors qu'est-il vraiment arrivé au Premier ministre ? Il s'avère que Choguel Maïga a été très affaibli à cause de nombreuses activités. Les responsabilités d'un Premier ministre sont très lourdes, surtout en période de transition. À cela s'ajoute son âge. D'après nos informations, il se trouve actuellement à la clinique Pasteur, où il est en rééducation. Et d'après les témoignages des médecins et de sa famille, les choses vont beaucoup mieux. Il a fait beaucoup de progrès et recommence déjà certaines activités comme le sport, la lecture, le vélo, etc. On espère pour lui que tout rentrera vite dans l'ordre et qu'il reviendra à la primature pour continuer dans ses fonctions de Premier ministre afin de continuer la lutte que mène le Mali pour retrouver la place qui lui revient dans cette rivalité des nations. Ainsi, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker et partager pour plus de contenu.